Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir un musicien à la discographie impressionnante, plus de 70 albums, à l'activité débordante. Il conserve un peu partout des compositions, des actions de formation, mais qui a malgré tout trouvé le temps de nous rencontrer. Simon Marie, bonjour, vous êtes contrebassiste. Bonjour, c'est Léo. Ça remonte à quand la découverte de la contrebasse? La découverte de la contrebasse, ça fait maintenant une trentaine d'années que j'ai découvert cet instrument. J'avais commencé auparavant par la guitare quand j'étais adolescent, puis j'ai vu des groupes de jazz où il y avait des contrebassistes et j'ai été beaucoup impressionné par l'instrument et j'ai eu envie d'en jouer. Donc je me suis inscrit au conservatoire, tout d'abord à Rennes, puis ensuite à Nantes. Et depuis, j'ai jamais lâché cet instrument que j'adore. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon contrebassiste? Alors pour être un bon contrebassiste, je pense que c'est comme pour toutes les choses qu'on fait dans la vie, il faut être passionné, avoir de l'amour pour ce qu'on fait, que vraiment que ça reste un plaisir sans arrêt, et puis après passer beaucoup de temps toujours à se perfectionner, à apprendre des autres, toujours aller plus loin, donc toujours garder la passion pour être que ce soit un contrebassiste, un violoniste ou n'importe quel autre métier ou passion. Entre les origines et aujourd'hui, donc une activité débordante comme on l'a dit en commençant, qu'est-ce qui vous a dit au fond de vous pour être aussi constamment actif? Déjà moi j'adore vraiment les partages dans la musique, donc en tant que contrebassiste, je joue dans beaucoup de styles différents, que ce soit la chanson française, le jazz, des musiques du monde, ce qui permet de rencontrer des musiciens différents et des publics différents à chaque fois, donc cette passion de la scène, des rencontres, de studio, avec des gens très différents, je trouve ça très riche, et donc c'est ce qui me permet de garder toujours la flamme que j'ai depuis le début de ma carrière de musicien. Une licence de musicologie et Rennes, entre deux titres, de l'enseignement, on ne dira pas que vous êtes un intellectuel de la musique, mais ces dimensions, ils existent dans votre profil, non ? Intellectuel de la musique, non, je pense pas, mais c'est vrai que je suis... En fait, j'ai commencé en autodidacte la musique, et puis j'ai voulu comprendre un peu le cheminement, apprendre auprès de profs chevronnés, de croiser d'autres élèves. Donc là, je me suis inscrit à l'université, à un conservatoire, donc ce qui m'a donné un cursus plus classique... entre guillemets, mais je ne pense pas du tout être un intellectuel de la musique. Je parle de la musique populaire où j'aime rester près des gens, du public, et leur faire découvrir des musiques souvent différentes de ce qu'ils peuvent entendre, mais toujours avoir ce lien avec les gens, donc pas de justement éviter le côté intellectuel. Vous avez beaucoup voyagé, en France comme à l'étranger. Les publics sont-ils différents, comme on dit souvent ? Oui, chaque public est différent, même déjà à l'intérieur de la France, suivant les provinces, les régions de France, on n'a pas le même accueil sur la musique qu'on fait. Il y a des gens qui participent plus, d'autres qui sont vraiment très attentifs, c'est un peu différent. Je me rappelle d'un souvenir quand je suis allé jouer au Japon il y a déjà pas mal d'années, où le public reste émerveillé sans trop réagir, mais fait juste un « ouh » à la fin des morceaux. Donc c'est vrai que... Et puis on peut trouver d'autres festivals où les gens sont vraiment debout et sautent partout. Donc c'est vraiment très différent d'un public à l'autre. Alors justement, là vous parlez du public. Quand on joue finalement devant un public japonais qui ne fait que « ou », comment en tant que musicien on perçoit? Est-ce qu'il y a une appréhension? On se dit finalement, est-ce qu'on se pose une question? Est-ce que ma musique plaît ou pas du tout? Ou alors vous dites « bon, vous avez déjà pris en compte que ça fait partie de leur comportement et que vous devez dérouler votre... votre programmation ?» Oui, je pense c'est un peu comme quand on est un voyageur dans un pays étranger, on observe au début la culture différente de la nôtre sans jugement, en essayant juste de comprendre les différences. Et justement, notamment dans le cadre d'un public japonais, on sait que de toute façon ça va être différent et on ne se pose pas la question de savoir si c'est que la musique les touche ou non, c'est qu'on voit les réactions différentes et on se rend compte qu'à la fin, quand même, malgré tout, il y a eu un très bel échange, mais le contact avec les gens est différent, mais on l'a en même temps avec eux différemment. Quand on est à l'hôtel à parler à quelqu'un, c'est pas du tout le même rapport que quelqu'un en France.
Donc c'est vraiment des cultures différentes qu'on ressent à travers les publics, les différents publics. Vous abordez de nombreux genres dans votre musique, jazz, pop, chanson française. Y en a-t-il un avec lequel vous vous sentez le plus en harmonie, si j'ose dire? Celui avec lequel je suis le plus en harmonie, c'est les musiques issues du jazz et des musiques du monde, vraiment les musiques instrumentales. C'est là où je me sens le plus à ma place, où là je peux composer ma propre musique. Mais après, j'aime beaucoup participer, collaborer avec d'autres genres, que ce soit dans la chanson française ou des musiques traditionnelles. Ce qui me permet de mettre un peu mon rôle de contrebassiste ou des fois d'arrangeur à disposition de gens différents, mais aussi de travailler pour eux et de voir un petit peu ce que je peux apporter à ma façon dans leur musique, mais ça reste vraiment leur musique propre. Donc j'aime beaucoup toutes ces collaborations, mais j'ai vraiment un grand faible, je veux dire, pour la musique instrumentale. Alors, puisque vous parlez de ces musiques, dans quel univers finalement avez-vous grandi musicalement? Quand vous parlez de jazz, de musique universelle, qu'est-ce qui vous a bercé? Coltrane, Ellington, ou alors peut-être la chanson française, Piaf, qu'est-ce qui vous a bercé tout au long de votre enfance? En fait, pendant mon enfance, j'avais pas une très grosse culture musicale, parce qu'on n'écoutait pas énormément de musique à la maison, c'était un peu la radio. Mais très vite, adolescent, j'étais pris par la pop anglaise, américaine, tous les groupes comme des Beatles, des Pink Floyd, de Led Zeppelin. Donc mes premiers chocs, rencontres musicales, ça a été cette musique anglo-saxonne ou américaine. Et puis le jazz est venu plus tard, vers 19-20 ans, où là, j'ai vu un contrebassiste d'un groupe de jazz, je pense que c'était avec le saxophoniste Harold Singer. Et tout de suite, je me suis intéressé à cette musique. Donc j'ai commencé par la musique de l'époque, c'était les disques électriques de Miles Davis, un peu ce qu'on appelle le jazz fusion. Puis j'ai remonté ensuite l'histoire du jazz à l'envers, donc où là j'ai découvert le Miles Davis des années 60, Coltrane, Charlie Parker, jusqu'à Louis Armstrong. Et j'ai du coup revisité l'histoire du jazz dans l'autre sens. Vous êtes remonté, enfin vous êtes parti des musiciens proches et puis vous êtes plongé vers les racines. Voilà, je suis parti des justement de Miles Davis, que j'avais vu, je pense, en fin des années 80, un concert. Donc, comme vous savez, une musique très électrique à l'époque qui me plaisait beaucoup. Et puis, c'est vrai que j'ai remonté vraiment l'histoire dans le sens inverse du jazz. Et maintenant, j'aime toute l'histoire du jazz, que ce soit des débuts d'Armstrong à Billy Holiday, au bebop, jusqu'aux années 60, puis le jazz un peu soul, le blue note des années 70. Enfin, je suis touché par toute l'histoire du jazz, vraiment. Votre prochain album, qui s'annonce, c'est en ce moment à l'occasion d'un concert à Paris. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, Crystal Mundi, ce nouvel album, c'est une nouvelle formation que j'avais en tête depuis 4 ans déjà, et que pour laquelle j'ai écrit la musique, et puis j'ai réuni les musiciens il y a environ 2 ans. Donc c'est une formation vraiment axée sur les cordes, où il y a 2 violons, un violoncelliste, contrebasse et une trompette. Et c'est un mélange de plein d'influences que j'ai eues dans mes rencontres musicales, que ce soit le jazz, la musique classique, les différentes musiques du monde. Et j'ai voulu mettre un peu tous ces ingrédients dedans, mais sans que ce soit une musique fusion, mais vraiment une musique personnelle et qui me ressemble. Mais qui a eu la charge du graphisme de la pochette de l'album? Alors le graphisme, j'avais eu l'idée en tête de cette un peu cette comète, cette planète un peu de couleur or sur fond blanc. Et j'ai travaillé ensuite pour la réalisation avec une graphiste nantaise qui s'appelle Rebecca, son nom d'artiste c'est Rebecca Records, qui a fait tout le graphisme de l'album et puis après tout ce qui en découlait, quelqu'un avec qui je suis très proche au niveau artistique, donc on s'est bien entendu pour qu'elle me donne une pochette que j'adore. Comment s'est fait le choix des musiciens au sein de Crystal Mundi? Alors dans les musiciens, sur les 5 musiciens de la formation, il y avait déjà le trompettiste Geoffroy Tamizi, avec qui j'avais beaucoup joué déjà depuis une vingtaine d'années, notamment dans un groupe qui s'appelle Mukta, un groupe de musique du monde, enfin, qui mélange la musique classique indienne avec le jazz.
Et donc Geoffroy était avec moi à l'origine de ce projet aussi, donc on a fait beaucoup de concerts et d'albums ensemble. Il y a aussi le violoniste Jacob Maciuca, qui est d'origine roumaine, mais que je connais depuis une vingtaine d'années, avec qui on a joué sur des projets de tango, de musique du monde. Donc quand j'ai monté la formation, j'avais en tête ces deux musiciens très proches de moi, dont je connaissais la couleur et les influences, que je voulais vraiment les avoir dans la formation. Et j'ai ensuite rencontré Tomoko Katsura au violon et Guillaume Grodard au violoncelle, qui ont rejoint la formation, que je ne connaissais pas, mais qui m'ont été présentés par Geoffroy, le trompettiste. On a fait quelques répétitions ensemble et le courant est très vite passé, donc on a décidé de continuer l'aventure et maintenant c'est parti pour la suite des concerts du Crystal Mundi. Les studios d'enregistrement a-t-il une importance capitale ? Oui, pour moi c'est un... Disons que je considère un disque comme une œuvre d'art à part entière. J'essaye de... qui est une histoire racontée dans le disque, donc c'est vrai que je porte très attention au studio, à la qualité technique, au son qui doit bien refléter ce qu'on fait en musique. Donc notamment dans cet album, c'est un album qui a été enregistré de façon live en studio, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de re-recording, on enregistre tous ensemble dans la même pièce sans casque. Après on fait deux ou trois versions du morceau, mais on choisit ensemble la meilleure, celle qui nous convient le mieux. Que ce soit au niveau des écritures, de l'interprétation, des improvisations. Mais à chaque fois, un disque peut être fait de différentes façons. Des fois, ça peut être plus produit. Là, on a voulu faire, enfin, j'ai voulu faire de façon live, très vivante, avec un son où on a l'impression d'être au milieu des musiciens. Donc c'est vrai que ça a une grande importance pour moi, le studio. Et alors, une question, lorsque vous avez justement enregistré en live dans ce studio d'enregistrement, pour vous, c'était quelque chose qui était, donc, au niveau de la qualité sonore, c'était également essayer de vous recréer dans une ambiance d'un live, comme si vous étiez sur une salle de concert. Et si c'est le cas, comment dans un studio d'enregistrement peut-on recréer ou s'imaginer que l'on joue devant un public? Parce que là, il n'y a pas de public. Oui, alors quand je dis live, je ne voulais pas dire dans une salle de concert, je voulais dire tous ensemble, comme si on faisait un live ici dans cette pièce, vous voyez. C'est un instant vraiment photographié sans qu'on puisse faire de retouches après, puisque on est tous ensemble dans la même pièce, les micros sont ouverts, donc s'il y a une erreur de quelqu'un, elle est dans tous les micros de tout le monde, donc on ne peut pas retoucher. Donc ce que je voulais avoir, c'est ce son-là vraiment d'une pièce vraiment vivante où l'auditeur a l'impression d'être au milieu des musiciens et d'entendre vraiment le son, le souffle de la trompette, les doigts, les petits grincements de cordes, etc. Vraiment garder tout ce côté humain, organique de la musique. Vous préférez ce type d'enregistrement à quelque chose de beaucoup plus numérique, où on fait piste par piste, chacun dans sa cage, on écoute et puis on retravaille? Ben, c'est vrai que ça se fait beaucoup maintenant et ça permet après au niveau du mixage d'être plus pointu, parce qu'on peut, comme on a isolé chaque partie, on peut vraiment mettre plus en avant l'une ou l'autre. Là alors c'est un peu différent, parce que quand on a fait un enregistrement de façon live, quand on monte une partie, on monte aussi les autres avec, mais je voulais garder cette fragilité en fait dans la musique, ce petit droit à l'erreur aussi, parce que ça laisse des petites imperfections, mais qui laisse aussi transparaître plus le côté humain que le fait de enregistrer chacun dans sa pièce. Mais c'est vrai que pour certaines musiques, certains albums, c'est aussi intéressant de faire c'est en fait de la technique mais au service de l'art, donc on choisit un petit peu sur le moment la technique qui va nous correspondre au projet qu'on veut défendre. La composition et les arrangements sont-ils des pratiques aisées pour vous? Aisées, je dirais non, mais en tout cas c'est quelque chose que j'adore. J'adore chaque jour passer du temps à la composition ou de l'arrangement, parce que c'est un moment où on s'isole un peu, on rentre un peu dans sa bulle et on essaye de chercher des idées au fond de soi pour pouvoir ensuite les amener vers l'extérieur. Donc c'est souvent un long processus, mais que j'aime beaucoup, qui est comme une sorte de discipline assez régulière pour pouvoir, comme si on tirait une petite ficelle petit à petit, trouver l'idée et puis aller plus loin et après arranger chaque partie. Mais c'est un travail minutieux. D'où viennent vos sources d'inspiration lors de vos compositions? Ça peut venir de plein de choses. Je suis déjà très influencé par la peinture. J'aime beaucoup aller voir des expositions
et le côté de peinture, de mélange de couleurs, d'influence pour la musique, parce que je vois la musique un peu justement comme un mélange de couleurs, comme de la peinture. Mais ça peut être aussi une lecture, ça peut être l'écoute d'un morceau de quelqu'un d'autre qui est la base d'un nouveau morceau. On ne va pas savoir que ça vient de là, mais moi je sais que ça a été un petit déclencheur. Donc une composition, ça vient de plein de choses. C'est jamais pareil d'une composition sur l'autre. Ça peut être, comme je vous dis, un poème, une peinture, une rencontre avec quelqu'un, une musique. Alors moi je voudrais parler un peu plus de votre album, parce qu'il y a une pochette. Bon, on a le sentiment un peu que vous fréquentez, que vous avez certainement dû écouter ou pas, je ne sais pas, vous seul allez pouvoir nous le dire, un peu Sun Ra ou Far West Anders à une certaine époque. Est-ce que vous avez le sentiment d'être connecté à un univers et que cet univers justement vous permet justement de jouer votre musique, de l'écrire et après de la jouer? Oui, alors j'ai eu beaucoup ces influences que vous venez de citer, de Sun Ra, de Far West Anders, de Coltrane des années 60. C'est vrai que c'est une musique, je trouve, qu'on appelle souvent le spiritual jazz, qui est une musique profonde et je pense en quête de quelque chose. Donc dans ma musique, c'est vrai que je suis... Est-ce que vous-même, vous êtes en quête justement de forme d'une musique apaisante, un peu qui pourrait ressembler un peu à des musiques comme on trouve en Inde, avec des mantras, ou comme on voit par exemple l'album de Far West Anders Roots, qui est pendant 20 minutes fait Roots, et c'est vrai que c'est un mantra. Est-ce que vous vous approchez de cette musique, ou est-ce que c'est juste un passage? Quelle est un peu votre approche par rapport à cet album? Oui, bah en fait depuis longtemps je m'approche de ces musiques, parce que j'aime beaucoup les musiques modales, justement la musique indienne que vous venez de citer, puisque je l'ai beaucoup pratiquée avec le groupe Mukta que j'ai eu pendant une dizaine d'années, avec lequel on a fait 6 albums, qui étaient très orientés musique indienne. D'ailleurs, sur l'album de Crystal Mundi, il y a un morceau qui s'appelle Bleu d'Orient, où il y a du tempura indien qui est un peu dans cette veine, et j'aime beaucoup ces musiques, comme vous dites, qui prennent vraiment le temps de s'installer pour vraiment emmener les gens un peu dans l'univers. Donc c'est vrai que on peut se dire qu'on les emmène un petit peu dans un autre monde, un peu imaginaire, sur une autre planète, dans des mondes différents, et vraiment avec une musique qui se déroule lentement et qui permet, je pense, aux gens d'accéder à leur imaginaire, à eux. Est-ce que, à travers cet album, vous permettez justement aux gens de découvrir ou de pénétrer dans un univers un peu différent et peut-être accessible à tous? Parce que souvent, c'est vrai que quand on écoute Sun Ra ou Far West Anders, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, c'est du free jazz, on n'y comprend rien, ça fait bobo à la tête ». Est-ce qu'à travers cet album, souvent Crystal Mundi, est-ce que ce n'est pas une porte pour permettre aux gens justement de rentrer dans cet univers doucement, en leur apportant finalement une première impression, en leur disant « Vous voyez, finalement, c'est pas si compliqué que ça, il suffit juste peut-être d'être ouvert et d'écouter ». Oui, ben je l'espère en tout cas. C'est vrai que mon idée, c'est ça, c'est de proposer une musique qui peut nous emmener ailleurs sans que ce soit une musique difficile d'accès ou compliquée. Je pense que c'est une musique qui peut parler à tout le monde. D'ailleurs, la preuve, c'est que dans tous les concerts qu'on fait, il y a des gens qui viennent me voir après, qui me disent « Moi, je croyais que je détestais le jazz, mais j'ai beaucoup aimé votre musique. Après, je ne sais pas si ma musique, c'est du jazz. Elle est influencée par le jazz, c'est une culture du jazz. » C'est une influence. C'est une grande influence dedans, mais voilà. Et en fait, les gens me disent, moi, j'ai jamais écouté ce genre de musique, j'écoute plutôt des chanteurs, etc. Mais j'étais très touché parce que ça m'a donné plein d'images, ça m'a emmené ailleurs. Donc là, je suis très content justement qu'on me dise ça, parce que c'est un peu là que j'ai envie d'aller, quoi, d'emmener les gens dans un autre univers, de leur laisser leur imaginaire à eux, voir ce que ça peut créer pour eux comme image, comme sensation, et que ce soit un moment de partage en concert ou à l'écoute de l'album. Parlons un peu de votre label West, l'autre distribution. Comment s'est fait cette rencontre? Qui a rencontré qui, finalement? En fait, label West, c'est un label qui est basé près de Angers, dans l'Ouest, pas très loin d'où j'habite. Je les connais depuis longtemps, mais je n'avais jamais travaillé avec eux. Et puis, quand on a fait un concert de Crystal Mundi, il y a environ un an et demi, il y a deux personnes du label qui sont venues écouter le concert, qui ont beaucoup aimé. Et le lendemain, ils m'ont envoyé un message, je me disais « Alors, quand est-ce que tu enregistres ce disque ?» Avec un petit clin d'œil, est-ce que ça t'intéresserait de travailler avec nous ? Donc, de fil en aiguille, ça s'est fait, puis je suis très content, parce que c'est un bon partenariat, aussi bien au niveau de l'enregistrement, sur lequel ils m'ont beaucoup apporté, et puis maintenant, avec l'aventure qui continue.
Tout à l'heure, Stélu a mentionné que vous avez joué dans à peu près plus de 70 albums. Comment vous faites et quelle est votre botte secrète pour passer d'un univers à un autre? Parce que finalement, vous avez cette faculté. Est-ce que vous seriez un musicien genre caméléon? Non, je ne pense pas que je sois caméléon. Je pense plutôt que toutes les musiques sont pareilles, que ce soit de la chanson, des musiques du monde, du jazz, que... En fait, c'est juste le rapport ou le contact avec des gens qui ont un projet, les musiciens, et voir comment on collabore entre nous. Après, pour moi, de jouer sur un album de chansons, j'ai l'impression d'être moi-même aussi, comme je suis dans un album de jazz, de jouer, voilà, de rester avec mon son à ma façon. Bien sûr, quand on va accompagner de la chanson française, on va jouer de façon plus simple, mais je reste, je pense, juste au niveau de la rencontre. Donc je pense pas que ce soit caméléon le mot, juste que j'ai l'impression que toutes les musiques englobent. Vous pouvez jouer beaucoup, voilà. Enfin, le but essentiel pour vous, c'est de jouer la musique. Voilà, c'est ça. Pour moi, la musique, c'est la musique. Après, je mets pas de barrière entre les styles. Souvent, on me demande, c'est quoi ta musique dans Crystal Mundi? On n'arrive pas à la nommer, mais je dis peu importe. Ce qui est important, c'est que voilà, est-ce que ça vous touche pas? Est-ce que c'est une musique qui vous emmène ailleurs? Alors. Une fois que l'album est sorti, quel regard portez-vous sur cet album? Vous, est-ce que vous avez le sentiment qu'il lui manque quelque chose, ou vous auriez pu ajouter autre chose dans cet album, ou vous avez le sentiment que finalement, eh ben, il n'est pas si mal que ça? Non, c'est vrai qu'on est toujours, on voit toujours les défauts des albums qu'on fait, etc. Là, sur celui-là, je suis très content parce que je voulais vraiment aller dans cette direction dont je vous parlais, d'une musique vivante, enregistrée tous ensemble, gardant ses défauts. Après, une fois que l'album est fait, je me dis pas, tiens, on aurait pu faire ça mieux. Je le laisse faire sa vie, je ne veux plus vraiment le réécouter. Et puis je sais que la musique va évoluer en concert. Je vais plutôt penser à la suite de la musique pour un deuxième album plus tard, plutôt que de me focaliser sur ce qui pourrait être mieux pour celui-ci. Et l'avenir? L'avenir, j'espère beaucoup de concerts en France, à l'international, avec Crystal Mundi. J'espère que c'est un groupe qui va se développer, parce que c'est une musique justement qui est un peu intemporelle, qui peut toucher n'importe qui, puisque c'est de la musique instrumentale. Donc on peut jouer en Afrique, au Japon, aux États-Unis, je pense, et que ça peut toucher les gens, vu qu'il n'y a pas de traduction de paroles, etc. Voilà ce que j'espère pour l'avenir. Bien, merci Sylvain d'être venu nous éclairer sur votre beau métier et votre beau parcours. Et quant à nous, nous ne doutons pas un instant de la poursuite de cette réussite. Merci beaucoup de m'avoir invité.